Bonjour à tous et merci d'être venu pour la remise de ce prix de thèse 2020 qui s'effectue dans des conditions assez particulières, vous le noterez. Donc merci à tous ceux qui ont fait l'effort de se déplacer voilà, pour quand même assurer un minimum de normalité à ce prix qui d'habitude est le moment d'échanges beaucoup plus conviviaux que ce qui va avoir lieu aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est la situation sanitaire qui l'exige. Alors simplement pour vous resituer, pour vous expliquer un petit peu ce qu'est l'Institut du genre. Donc l'Institut du genre, c'est un réseau qui a été créé à l'initiative du CNRS, qui a un certain nombre de missions. En premier lieu, c'est de contribuer à la reconnaissance scientifique, à l'extension géographique et thématique, à la coordination institutionnelle des recherches en France, des recherches sur le genre et les sexualités en France. C'est de favoriser de nouvelles formes de collaboration scientifique, y compris avec des partenaires étrangers, toujours sur le thème du genre et des sexualités. C'est de donner, grâce à de différentes actions dans le détail desquelles je ne rentrerai pas, une visibilité internationale aux recherches menées en français. Et surtout aujourd'hui, c'est de soutenir la jeune recherche. Et le prix de thèse, qui a été mis en place donc en 2013, est un moment clé de ce programme. C'est véritablement notre programme phare donc de ce côté-là. Alors, pour vous donner un petit peu une idée de ce qui s'est passé cette année, nous avons reçu 38 thèses qui étaient recevables, hein, puisque certaines fois, vous avez des personnes qui candidatent alors qu'ils n'auraient pas pu pour toute une série de raisons. Donc, on a reçu 38 thèses recevables qui ont été examinées donc par un comité de thèses qui était présidé cette année par Michel Bozon, qui est directeur de recherche à l'INED, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et qui est aussi donc membre du conseil scientifique de l'Institut du genre. Donc pour vous donner une idée un petit peu du panorama auquel nous avons eu droit, donc nous avons eu des candidatures qui provenaient de disciplines très diverses. Alors évidemment, dans le champ des études sur le genre, il y a traditionnellement deux disciplines qui sont très représentées. C'est la sociologie et l'histoire, et cette année, de manière traditionnelle, nous avons eu beaucoup de thèses en sociologie, avec 12 candidatures, donc sur 38. Mais la chose qui a peut-être été un petit peu différente de d'autres années, c'est que nous avons observé une montée en puissance des recherches littéraires, hein, des candidatures littéraires au sens large, dans lesquelles on peut regrouper des études anglophones, des études germaniques, des études romanes, la littérature française, la littérature générale et comparée, etc., etc. Du côté des établissements, des universités qui sont représentées, on a, comme souvent, des universités qui sont très présentes en termes de nombre de candidats, et au moins une des deux est représentée parmi les lauréats, puisqu'il s'agit donc de l'EHESS, donc avec 6 thèses candidates, et donc l'Université de Paris 8 qui a présenté 8 candidats. Et puis ensuite, donc, nous avons 12 autres établissements qui envoient l'essentiel des troupes, j'allais dire, donc l'AMU, l'ENS Lyon, Clermont-Auvergne, Grenoble-Alpes, Lyon 2, Paris-Diderot, Paris-Nanterre, Rennes 2, Sorbonne-Nouvelle, Sorbonne-Université, Strasbourg et Toulouse 2. Les lauréates de cette année sont donc, et j'espère bien prononcer, Rocío Munguía Aguilar, pour une thèse intitulée « Encre métisse, voix marronne, mémoire d'esclaves noirs dans le roman entier francophone et le roman latino-américain hispanophone ». Donc thèse qui a été soutenue à l'Université de Strasbourg en septembre 2019 sous la direction d'Anthony Mangionou. Et donc Michal Raz pour une thèse sur la production des évidences sur l'intersexuation, savoir et pratique médicale autour de l'hyperplasie congénitale des surrénales. Donc un terrain qui portait sur la France de 1950 à 2018 sous la direction d'Ilana Lonoui à l'EHESS, soutenue en septembre 2019.
peut-être quelque chose qui peut vous intéresser. C'est une petite enquête que nous avons menée à l'Institut sur le parcours des précédents lauréats, sur ce qu'ils nous ont dit de ce que le prix leur avait apporté, ce que ça avait fait sur leur parcours. Alors évidemment, il s'agit encore d'une enquête incomplète, mais donc il y a à ce jour 15 lauréats ou lauréates du prix de thèse, donc de 2013 à 2019. Pour ce qui est de la publication, sur ces 15, donc 6 ont publié leur thèse et un a publié un ouvrage dérivé très exactement de sa thèse. 7 sont devenus maîtres de conférences, donc dans les disciplines suivantes: études cinématographiques, sociologie, histoire, histoire contemporaine, anglais, sciences du langage, sciences économiques et gestion. Et 2 sont devenus chargés de recherche au CNRS. 1 est en post-doctorat à l'université de Paris Lumière. D'autres éléments que nous avons pu recueillir très récemment, donc c'est d'un point de vue plus personnel, ce que le prix leur avait apporté, eh bien, l'une d'entre elles nous a fait part du fait que recevoir le prix thèse a été un événement important, contribuant à légitimer et à mettre en valeur une approche étude genre dans des champs disciplinaires où elle rencontre encore beaucoup de résistance. La personne qui parlait, c'était une philosophe, par exemple, qui est également dans la discipline, donc je vois très bien le type de difficultés auxquelles elle fait allusion. Et par ailleurs, à plusieurs reprises, les lauréates ont constaté, je cite, des vagues d'invitations à participer à des événements après l'obtention de ce prix, donc une visibilité personnelle supérieure. Voilà. Donc, un petit peu pour situer les effets que nous espérions et que manifestement, en partie, nous obtenons grâce donc à la distribution de ces prix. Aujourd'hui, ce prix va donc vous être remis à l'une et à l'autre par Michel Ferrand. Chaque année, le prix est remis par une grande figure française des études sur le genre et ou du féminisme. Et cette année, Michel Ferrand nous fait l'honneur de remettre ce prix. Alors, bon, je vais très brièvement la présenter, je pense que ce sera un petit peu inutile, mais l'exercice veut cela. Donc, Michel Ferrand est sociologue, directrice de recherche émérite du CNRS, avec d'autres chercheuses, comme notamment Danielle Chabot, Dominique Fougerolas, Danielle Kergoat. Vous avez été une actrice majeure de l'institutionnalisation des recherches féministes en France, et tout particulièrement au sein du CNRS, notamment avec un travail collectif que vous avez mené sur le sexe du travail, et en participant à une conceptualisation, là aussi collective, ou en tout cas en discussion, de la notion de rapport social de sexe. Avec vos travaux sur l'avortement, la sexualité, la contraception, vous avez ouvert la voie à de nombreuses recherches sur ces objets longtemps considérés comme peu nobles, voire ignobles, au sein de l'Académie. Nous sommes donc particulièrement fiers et heureux que vous ayez accepté de remettre ce prix et de vous déplacer pour ce faire en cette période si difficile. Merci beaucoup. Donc, je viens d'être présenté, donc je ne me présente pas, mais je voudrais remercier quand même l'Institut du Genre et notamment Estelle Ferraressé de m'avoir invité à participer à cette remise de prix. C'est toujours très très agréable de participer à ce genre de choses, même dans des conditions comme aujourd'hui qui sont vraiment pas banales. Mais j'ai accepté cette charge minime avec beaucoup de plaisir, parce que l'Institut du Genre, pour moi, est quelque chose de très important, parce qu'il concrétise réellement les luttes féministes de 40 ans derrière nous. Il représente la reconnaissance de ce que le mouvement féministe a fait dans la recherche, et son poids académique est suffisamment important pour que maintenant le genre soit reconnu comme un domaine tout à fait légitime dans les recherches et dans les enseignements, ce qui n'a pas été le cas pendant quand même de longues années. Je me souviens lors d'un des colloques fondateurs des recherches féministes, qui a été le colloque de Toulouse en 82, le nombre de communications était énorme. Je n'ai pas réussi à remettre la main sur le bouquin parce qu'il y a eu le confinement et puis j'ai pas, et puis après j'ai oublié. Mais ce que je pourrais dire, c'est que le champ était très très ouvert en 82. Le nombre de communications était très élevé, je crois qu'il y en avait 200, un truc comme ça. Et ça traitait de tout, rien ne nous semblait impossible. Alors nous n'avions pas encore beaucoup d'outils théoriques à ce moment-là, on les forgeait
de façon assez volontaire. Mais l'imagination était vive et aucun domaine ne nous semblait interdit. Et je pense que une communication, par exemple, s'interrogeant sur l'intersexuation ou sur la mémoire des femmes antillaises ou des esclaves, aurait pu tout à fait être envisagée. D'ailleurs, si ça se trouve, il y en avait, parce que je me souviens qu'il y avait une communication sur le sexe comme continuum, déjà, de Joël Père et enfin de David Père. Et de Schwellwitz, pardon. Mais ce foisonnement, cette richesse qui avait fait irruption justement dans les années 80, a fait long feu, et grâce quand même au soutien du CNRS, ou surtout grâce en fait à Maurice Godelier et le temps qu'il est resté au CNRS, un certain nombre de recherches ont pu quand même se développer et un certain nombre de chercheuses ont pu être recrutées. Mais comme le disait tout à fait Estelle tout à l'heure, c'était essentiellement dans deux disciplines, la sociologie et l'histoire. Pareil à l'université, où pourtant là, quand même, de courageuses enseignantes ont lancé des pistes de recherche qui ont permis d'ailleurs l'émergence d'une génération nouvelle, avant la vôtre, je pense, je pense qu'on parle de vagues, mais moi je ne crois pas beaucoup aux vagues, mais en tous les cas, il y a eu petit à petit production par l'université de chercheuses, enfin de personnes voulant faire de la recherche féministe et sur le genre, puisque c'est comme ça que c'est cette acception qu'on a utilisée à partir d'un certain moment. Aujourd'hui, je me félicite de voir justement ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que s'il y a toujours beaucoup de sociologues et beaucoup d'historiennes, il y a quand même d'énormes nouveautés, et le champ couvert me semble s'élargir chaque année, et en témoignent les deux prix de cette année, avec cette ouverture de la critique féministe des sciences aux études littéraires. Je crois qu'on balaye vraiment énormément de choses. Alors c'est en gardant justement en mémoire toutes nos batailles que je peux me réjouir justement de voir les sujets qui sont reconnus cette année par le prix. Alors quand j'ai reçu les deux thèses à lire, j'étais un peu stupéfaite parce que je me suis dit, enfin stupéfaite, j'étais très intéressée, j'ai lu ces thèses avec un certain plaisir, surtout que j'ai eu du temps, comme beaucoup de gens. Elles sont toutes les deux très bien écrites et très agréables à lire. Mais je me suis dit, c'est vraiment une gageure de les présenter ensemble, parce qu'elles n'ont rien en commun. Et bien finalement, si, en dehors même du fait de participer à la construction de ce champ des recherches du genre, elles ont des points communs, et j'y reviendrai après, mais je vais vous les présenter rapidement, très très rapidement, en attendant, séparément, et je vais revenir après sur les points communs que je trouve entre ces deux thèses. Alors la thèse de Michal Raz, la production des évidences sur l'intersexuation, savoir et pratique médicale autour de l'hyperplasie congénitale des surrénales, France 1950-2018, interroge justement la manière dont la société va traiter la question de l'intersexuation, c'est-à-dire la prise en charge d'individus nés avec ou développant des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas binairement au masculin et au masculin. Et elle va analyser le rôle joué par la sphère médicale dans le traitement systématique de ces enfants au sexe dit atypique. Elle étudie une variation particulière, celle de l'hyperplasie congénitale des surrénales, et plus particulièrement à travers la prise en charge des filles HCS, qui se caractérisent à la naissance par des organes génitaux qui peuvent les faire prendre pour des garçons. Ce travail rend compte de l'évolution de la pratique médicale à travers le changement radical de paradigme proposé par l'hôpital Johns Hopkins dans les années 50, dans la manière de prendre en charge ce qui apparaissait donc comme un problème. En effet,
la non-binarité était considérée comme insupportable. Il apparaissait donc nécessaire d'intervenir pour remédier à ce qui était considéré comme pathologique. Intervenir pour normaliser le sexe, et ce, le plus précocement possible. De préférence, avant que les enfants aient pu acquérir, et c'est ça, c'est là la construction de ce paradigme, ce qu'on a appelé à l'époque leur identité de genre, qui se manifeste dans la société par leur rôle de genre, la façon dont ils l'expriment. Le travail de Michal Raz traite d'abord de l'analyse de la réception française de ce nouveau paradigme et rend bien compte des allers-retours de chaque côté de l'Atlantique, dans une approche largement inspirée de la critique féministe des sciences et prenant en compte les acteurs eux-mêmes. Elle décrit le processus de construction et de stabilisation-déstabilisation des évidences qui ont constitué et constitue largement encore le socle de la prise en charge médicale des enfants intersexués. Puis, dans un second temps, alors ça c'est la première partie de la thèse, dans un second temps, j'ai pas assez de temps pour développer, mais le second temps montre une analyse plus ciblée sur deux champs de pratique, l'intervention les interventions prénatales à la suite de diagnostics prénatals, qui pensent que là, pour la précocité, on va au maximum, et surtout, quelque chose de tout à fait passionnant à lire, mais que je n'ai pas le temps de rendre ici, les études de suivi des personnes atteintes de HCS. Je ne sais pas si on dit atteinte, d'ailleurs, parce que est-ce que c'est une maladie? Oui, c'est une maladie. La thèse de Rocío Munguía Aguilar, ça parle pendant, oui, Encre métisse, voix marronne, mémoire d'esclaves noirs dans le roman antillais francophone et le roman latino-américain hispanophone, met en regard six récits fictionnels antillais et latino-américains écrits par des femmes et qui accordent une place de choix à l'expérience féminine de l'esclavage. Ce choix de travailler sur des romans se justifie par le constat de l'invisibilisation de l'expérience spécifiquement féminine de l'esclavage dans les travaux historiques et sociologiques et par l'absence d'archives dans le domaine. Pour y remédier, l'auteur propose donc de s'appuyer sur des œuvres permettant de faire entendre des expériences communes dans l'espace français comme dans l'espace latino-américain, à travers l'analyse d'un corpus littéraire écrit par des femmes. J'ai trouvé ça absolument fantastique. Je suis une fanatique de la littérature en général et je trouve qu'on ne tient jamais assez compte de ce qui est produit littérairement pour rendre compte de la réalité et moins de la réalité d'ailleurs que de ce qu'on pense qu'est la réalité. Mais cette utilisation remarquable d'œuvres fictionnelles comme écriture de substitution en quelque sorte qui lui permet de parler de marronnage discursif. Je trouve aussi que le terme là est absolument superbe. Et il faut noter que ce travail, s'il met d'abord en dialogue la critique littéraire et les sciences humaines ensemble, ce dialoguant, mobilise aussi des documents d'archives, d'autres textes, des entretiens, d'autres terrains, et surtout une bibliographie critique internationale, francophone, hispanophone et anglophone, puisque justement, une partie de la thèse montre bien comment c'est différent pour les anglophones. L'auteur évoque des situations où le genre et la race apparaissent comme des éléments clés de la domination et de la production des inégalités. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans cette thèse, c'est que la lecture qu'elle en propose insiste moins sur les violences subies par ces femmes ou sur leur position de victime que sur leur capacité à résister, voire à détourner ces violences, en donnant des exemples. La thèse souligne l'existence de stratégies qui rendent compte d'une agentivité des femmes, pratiques qui ont été jusqu'ici relativement occultées, preuve d'ailleurs que la domination masculine s'exerce partout, y compris dans la manière de faire l'histoire, fût-elle l'histoire littéraire. C'est bien une analyse de l'appréhension genrée des savoirs que propose cette thèse,
en dénonçant par exemple l'oubli d'auteurs antillais négligés par les critiques masculins étudiant le mouvement de la négritude. Ce travail montre, d'une manière tout à fait novatrice, comment la fiction peut être convoquée quand le témoignage ou les archives manquent. Et la manière dont le corpus est utilisé par l'auteur pour témoigner des mémoires spécifiques de l'esclavage nous invite donc à prendre ces témoignages, pour reprendre ses propres termes, non comme des vérités historiques, mais comme des variations mémorielles des imaginaires postcoloniaux déclinés au féminin et qui sont tout autant démonstratives. Alors après cette présentation vraiment succincte de ces deux pavés, fort bien écrits d'ailleurs, je voulais le souligner, l'un et l'autre, alors on s'attendait à ce qu'une œuvre sur les romans et dans le champ de la littérature soit bien écrite, c'est vrai, mais celle de critique féministe des sciences l'est aussi, est aussi bien écrite et facile à lire. Qu'est-ce qui rapproche ces thèses à mes yeux ? Le premier point commun, d'abord, c'est l'ambition. Vous n'avez pas choisi la facilité, et je pense que ce prix de thèse rend compte de ça. Vous avez visé haut et vous y êtes parvenu, tant au niveau des outils d'analyse que de la façon de mener cette analyse. Y compris en introduisant toutes les deux une dimension comparative. Le second point commun, c'est à mon point de vue le degré d'engagement des deux auteurs qui prennent clairement position. Et je voudrais souligner que c'est important dans une thèse, ce n'est pas toujours le cas. Et là, l'engagement des deux lauréates est vraiment frappant alors qu'elles traitent justement des sujets qui sont clairement aujourd'hui des lieux de lutte politique. Et c'est en effet sur l'actualité de cette thèse que je voudrais revenir pour terminer. Je ne sais pas si c'est une des raisons qui a présidé à leur choix, mais qu'il s'agisse de la question de l'articulation sexe, race, classe et des enjeux des analyses postcoloniales, ou celle de l'inter et de la transsexualité et de la définition d'un espace social du genre, tel que par exemple pourrait le définir le lauréat de l'année dernière, elle participe aux débats les plus actuels, y compris même à l'intérieur du mouvement féministe aujourd'hui, qui se déchire plus ou moins, et qui montre justement où passent les lignes de clivage. Mais je ne convoquerai ici ni Françoise Vergès, ni Emmanuel Beaupaty, justement, car ce que j'ai beaucoup apprécié dans la lecture de ces deux thèses, c'est qu'avec la ténacité, la singularité et l'inventivité dont elles font preuve, elles font réellement avancer la théorisation féministe et constituent un apport novateur aux recherches sur le genre, et elles le font en questionnant la construction des évidences, la question de la fluidité de genre ou celle du traitement de l'intersectionnalité, posant en effet la question de l'articulation de rapports sociaux entre eux. Pour moi, féministe matérialiste, un rapport social de domination est par définition antagonique, bicatégorisé et dynamique. Ce qui interroge la manière, pour l'analyser, de prendre en compte la non-binarité et l'intersectionnalité. Or, justement, ces thèses font preuve qu'il est possible d'avancer dans ce domaine sans pour autant entretenir brouillage, flou et confusion. Et je salue chaleureusement les deux lauréates d'y être l'une et l'autre parvenues. Pour finir, je vais leur remettre leur prix de thèse et surtout leur souhaiter le meilleur avenir professionnel possible dans un monde peut-être débarrassé du virus. Déjà, merci beaucoup pour ces belles présentations et votre lecture et commentaires sur notre travail qui me font vraiment très chaud au cœur. Et donc, je suis vraiment ravie et très honorée de pouvoir être ici aujourd'hui pour cette remise du prix des thèses de l'Institut du genre. Et je tiens à remercier chaleureusement le comité scientifique pour avoir donné une place à ma thèse dans
dans cette cérémonie. Et j'en profite pour féliciter aussi ma collègue avec qui je partage du coup ces grands bonheurs ce soir. Et donc c'est une distinction qui me touche profondément, car elle reconnaît non seulement l'importance du sujet que j'ai mis au cœur de ma recherche, mais aussi un parcours académique, professionnel et intellectuel particulier que j'ai commencé il y a une dizaine d'années au Mexique et mon pays d'origine. Donc j'ai saisi cette occasion pour remercier les professeurs qui m'ont toujours encouragée et inspirée à suivre ma voie. Donc tout d'abord Laura López Morales, et pionnière des études francophones à l'Université nationale autonome du Mexique. Maxime Delfiol, mon directeur de mémoire de master à l'Université Paul-Valéry de Montpellier. Et bien sûr, Anthony Mongeon, mon directeur de thèse, que j'ai suivi à l'Université de Strasbourg pour qu'il m'accompagne dans cette belle aventure doctorale. Alors, quand je pense à mon itinéraire et à la manière dont je suis arrivée à mon sujet de recherche, je pense souvent en termes de détour. C'est une notion qui m'est chère, qu'Edouard Glisson a beaucoup travaillé, mais qui, je crois, au-delà de la charge historique que le philosophe martiniquais lui imprime, est à prendre comme un véritable recours méthodologique, dont j'ai voulu me saisir pour emprunter justement des nouvelles voies de lecture de l'expérience féminine de l'esclave, telle qu'elle est proposée par des autrices contemporaines issues d'aires géographiques et linguistiques distinctes. Alors, francophoniste de formation, je dois dire que rien ne me prédestinait à orienter mes recherches vers l'Amérique latine hispanophone, si ce n'est une heureuse rencontre que j'ai faite en 2013 de Marie-Célie Agnan, une romancière haïtienne qui faisait alors une résidence d'écriture à Montpellier. Donc à l'époque, j'interrogeais déjà la spécificité des récits fictionnels d'esclavage écrits par des femmes, où j'avais le sentiment qu'une mémoire féminine spécifique s'est dessinée dans leurs plumes. J'ai donc échangé avec cette autrice, et elle était curieuse de savoir quelle était la proposition des romancières latino-américaines concernant ce passé. Alors, difficile de vous expliquer aujourd'hui le choc que ce questionnement fut pour moi. Non seulement je prenais conscience de mes connaissances pour les moins légères sur le sujet, mais j'étais tout d'un coup confrontée à la question de l'invisibilité des populations afrodescendantes dans cette ère du continent d'où je suis originaire, et où, il faut le dire, les identités nationales ont été bâties sur une idéologie du métissage qui tendit à effacer toute forme de différence. Donc ce détour inattendu a produit ses fruits, finalement. J'ai effectivement découvert des écritures hispanophones qui donnent une voix et une épaisseur à l'expérience féminine de l'esclave, tout en observant la convergence de thématiques et des pratiques romanesques qui suggéraient pour moi l'émergence d'une poétique mémorielle sur l'esclavage, translinguistique et transnationale, conjuguée au féminin. Alors, pour développer cette hypothèse, je me suis concentrée, donc comme ça a été dit, sur trois romans francophones inscrits dans les trois espaces insulaires que je voulais privilégier, donc Haïti, la Martinique et la Guadeloupe, et sur trois romans hispanophones issus de trois pays entretenant une forte tension avec leur passé esclavagiste, donc à savoir le Mexique, l'Argentine et l'Uruguay. Ce corpus principal fut par ailleurs complété par trois autres romans francophones. Donc, dans un premier temps, il m'a semblé important et même incontournable de dresser une synthèse historique où je portais une attention particulière à l'expérience féminine de l'esclave. Ces repères posés, j'ai ensuite suivi un peu le mouvement des autrices qui vont de l'archive à la fiction. Et puisque l'ensemble de mon corpus, et c'est l'une de ses particularités, s'inspire des faits réels et a donc exigé de la part des romancières un travail important de documentation, de recherche historiographique et donc de terrain aussi. En soulevant les tensions qui animent la réécriture de l'histoire, notamment dans des contextes où la femme a souvent été mise hors événement, pour reprendre une formule de Michel Perrault, il s'agissait donc de montrer combien l'esthétique hybride des œuvres constitue un marronnage discursif sur le plan formel, dans son champ où le genre et la race apparaissent toujours comme des opérateurs de hiérarchie.
Et là, je précise aussi que la notion de marronnage est à prendre comme la métaphore du phénomène de fuite par lequel les esclaves résistaient au système à l'ère coloniale. Donc la cartographie de la violence que j'ai dressée, mais surtout celle des formes de survie, d'accommodement et de résistance que mon corpus met en lumière, fut par ailleurs l'occasion de prendre la mesure d'un univers où la gentilité féminine s'affirme dans l'intime et le quotidien, par le corps, la parole et la transmission de la mémoire, qui était un point très important et qui a eu une grande place dans mon travail. Donc je me suis également intéressée à la diversité des gestes par lesquels les femmes affirment leur capacité à contourner, détourner, voire renverser les formes de contrôle. Et c'est précisément le troisième volet de ma thèse qui met en avant leur pouvoir performatif dans toute sa complexité et ses doubles tranchants aussi. Donc pour moi, il était important de me détacher des visions dichotomiques de l'esclave qui le présente soit une victime, soit un héros, et de souligner combien la littérature justement a cette capacité à opérer des décentrements épistémiques pour repenser les rapports de force et les hiérarchies. En m'inspirant de la critique féministe décoloniale, j'ai voulu porter une attention particulière au sujet féminin d'énonciation et à leur histoire locale, afin de repenser les savoirs de la chair, c'est une formule qui d'Anna Laura Stoller et qui me plaît beaucoup. La perspective comparatiste adoptée m'a ainsi permis de montrer que les luttes féministes se jouent historiquement et dans des géographies diverses sur plusieurs terrains et qu'elles peuvent devenir poétiques lorsqu'elles rencontrent des pratiques textuelles indociles où l'écriture se fait une forme de riposte par détournement. Donc ma volonté d'élargir le prisme par lequel nous lisons l'expérience historique de l'esclavage dans une perspective de genre s'est cristallisée enfin par un décentrement méthodologique qui me tenait vraiment à cœur. Donc l'exploration d'archives, les entretiens et le travail d'observation participative que j'ai mené en Amérique latine et en France métropolitaine ont en effet dévoilé les potentialités d'associer texte et terrain et donc d'intégrer une dimension sociétale au travail sur les textes. Donc je remercie sincèrement l'Institut du genre d'avoir cru à cette démarche interdisciplinaire en m'attribuant ce prix, mais aussi en soutenant la recherche de terrain que j'ai effectuée en novembre 2019 en Guyane grâce à son programme d'aide à la mobilité de la jeune recherche. Donc ces initiatives me semblent vraiment très importantes, très nécessaires dans un contexte où l'on sait la précarité pour l'agent recherche est un sujet d'actualité. Et donc je m'estime vraiment très, très chanceuse d'avoir pu en bénéficier. Je remercie également ma famille et mes amis pour leur amour et leur soutien au cours de ces 4 années de thèse passionnante mais intense aussi, très, très intense. Et merci beaucoup aussi à Maria, ici présente, une amie et collègue très chère qui a pu m'accompagner ce soir. Et je dédie enfin ce prix à mes parents et à la mémoire de cette dizaine de femmes assassinées tous les jours dans mon pays, au nombre incalculable de femmes disparues tous les jours en Amérique latine, à leurs familles et à leurs amis. Je pense à vous, consciente de mes privilèges ici, outre-Atlantique, et je me nourris quotidiennement de votre force, de votre courage et de votre sourire. Je vous remercie de votre attention et encore une fois, merci pour votre soutien. Je tiens à remercier d'abord à tous les membres de l'Institut du genre et en particulier à son comité scientifique pour ce prix. Merci à Michel Ferrand de votre présence et de cette présentation si efficace et éclairante de nos thèses. Et ça m'a tout de suite déjà donné envie de lire ce soir la thèse de Rossio. Donc, bon programme. Merci d'avoir organisé malgré tout cette cérémonie aujourd'hui pour rappeler l'importance de la promotion des études de genre aujourd'hui en France. Et je suis extrêmement honorée par ce prix. Et ce, d'autant plus que voilà, je suis touchée de voir reconnaître ici mon travail
que mon engagement premier, en fait, c'était d'abord justement de, dans la recherche, de contribuer à développer, à mon humble échelle évidemment, les études féministes en France et notamment, comme l'a rappelé Michel Ferrand, les études féministes des sciences qui existent mais qui sont encore trop peu développées à mon sens. Bon, comment présenter ma thèse en 10 minutes, ou 12 si je peux, la tâche n'est pas facile, tant une thèse c'est un travail de longue haleine, un kaléidoscope on peut dire, de, dans la multiplicité de facettes, vise à faire exister un objet. Ma recherche donc traite de l'intersexuation, les individus dont les caractéristiques sexuelles sont considérées comme atypiques par rapport aux normes médicales et sociales du féminin et du masculin. Et lorsque j'ai commencé à m'y intéresser, presque personne ne connaissait le terme ni ce qui l'englobait. Je savais qu'à la question qui m'était souvent posée par des inconnus, sur quoi tu travailles, ben, il était fort probable que j'ai à expliquer d'abord en fait, de quoi il s'agissait. Ce qui me frappait alors était l'écart entre, d'un côté, sur mon terrain, le discours des médecins, pour qui la pathologisation du sexe atypique et les interventions précoces étaient une évidence. Et de l'autre côté, la réaction des gens profanes lorsqu'ils découvraient le sujet via une discussion, un roman, un documentaire, et pour qui les chirurgies sur les enfants intersexués paraissaient être comme une aberration. Et si l'intersexuation était, donc lorsque j'ai commencé à y travailler, une question largement inconnue, notamment en France, et gagne aujourd'hui en visibilité, notamment sous l'effet de mobilisation politique. Or, si l'actualité donc, des revendications intersexes est de plus en plus visible, l'histoire des pratiques médicales les concernant reste encore largement inconnue. Et c'est cette histoire que j'ai souhaité creuser dans ma thèse. Au départ, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre d'où viennent les interventions précoces, donc dans les premiers mois, les années de la vie des enfants intersexués, et pourquoi elles se maintiennent encore aujourd'hui. Du point de vue des sciences sociales, l'hypothèse était évidemment que la réponse devait être cherchée non pas dans la biologie, mais du côté du social. Ces pratiques ont une histoire et sont liées aux conceptions sociales du sexe et du genre et à la manière dont la médecine les adopte et les adapte. Et un des résultats principaux, c'est que ce champ de savoir et de pratique en médecine s'appuie sur des évidences tout en étant constamment traversé par des savoirs incertains. C'est que la multiplication depuis notamment un demi-siècle de connaissances et de techniques de régulation médicale produit paradoxalement des formes d'ignorance de la part du milieu scientifique biomédical. Ce choix d'objet impliquait néanmoins donc pour moi de me poser la question de légitimité à plusieurs niveaux. Évidemment, la légitimité d'un sujet encore inconnu, comme je l'ai dit, dans la sphère publique mais aussi académique. La légitimité d'une démarche interdisciplinaire aussi, quelque peu inclassable. Ma légitimité aussi d'en parler, n'étant pas moi-même concernée. Et ma légitimité sur le terrain médical, en tant que profane, non scientifique, médical. Avec le recul, je suis venue à réaliser que ces problèmes de légitimité structuraient justement l'objet lui-même, car je me suis aperçue du contraste entre mes sentiments d'illégitimité, qui accompagnent souvent des objets de recherche situés en marge, et aussi des chercheuses femmes plus que hommes, et l'attitude, pardon, et l'attitude, donc le contraste entre mes sentiments d'illégitimité et l'attitude de sorte de légitimité que dégageaient les enquêtés, médecins et psychologues que j'ai rencontrés. Ils et elles se présentaient comme des sortes de détenteurs d'une autorité exclusive sur les savoirs en question. Et ce sentiment d'évidence de l'emprise médicale sur l'intersexuation relève justement de ce qu'il me fallait étudier. Cette emprise qui signifie concrètement aussi un accès exclusif aux personnes concernées, aux familles, aux dossiers médicaux actuels ou passés, aux données quantitatives de santé et plus largement un savoir de plus en plus spécialisé et technique. Au fur et à mesure, je suis donc venue à demander pourquoi se sentent-ils aussi légitimes dans leur pratique.
Cette attitude donc, est sans doute liée à l'histoire et au statut social de la profession médicale dans le monde occidental. Les médecins sont en quelque sorte des porteurs de légitimité que leur octroie la société. Légitimité qui doit cependant régulièrement être renforcée par des effets de légitimation scientifique. Or, donc, ma thèse démontre que la revendication d'une exclusivité médicale sur la vérité passe, pour eux, paradoxalement, par la production de controverses et d'incertitudes. Ce travail permet ainsi de montrer que les pratiques se maintiennent non seulement malgré une remise en question de la part de personnes, de militants, d'associations, mais aussi en dépit de la difficulté de les fonder comme des faits ou des preuves scientifiques incontestables. Cette tension entre les faits scientifiques et les évidences des médecins constitue donc le cœur de ce travail. Comment s'imposent en fait et persistent ces évidences en dépit du caractère incertain, mouvant et partiel des savoirs mobilisés? Et comment la médecine impose certains critères de la vérité comme allant de soi, tout en retirant d'autres critères de l'équation? Donc, parmi les éléments qui vont de soi, justement, ces évidences que ces thèses visent à interroger, on peut mentionner sur le plan donc général l'évidence de la pathologisation de l'intersexuation, qui provient évidemment au fond de l'évidence peut-être la plus difficile à déconstruire encore aujourd'hui, celle de la binarité des sexes. Et la deuxième évidence, c'est que cette pathologie serait insupportable pour les parents et plus généralement pour l'ensemble de la société. Ce qui justifierait donc que l'on intervienne le plus tôt possible pour la corriger. Ainsi, les médecins devenaient des sortes de représentants d'un ordre social fantasmé. En revanche, des éléments qui viendraient remettre en cause ce paradigme sont régulièrement écartés, comme par exemple des éléments démontrant les conséquences négatives des chirurgies à long terme ou des témoignages relatant des traumatismes vécus par cette prise en charge, mais aussi dans le domaine prénatal, des études qui suggèrent que le traitement hormonal, par exemple, aurait des effets néfastes sur le fœtus exposé. Pour étayer ces thèses, j'ai choisi de tracer cette histoire donc, à travers le cas le plus spécifique d'une des variations intersexes, l'hyperplasie congénitale et surrénale, ou HCS. Et depuis que j'ai commencé à travailler sur l'intersexuation, j'ai remarqué que les médecins faisaient presque systématiquement la distinction entre l'HCS et les autres variations intersexes, qui constituaient en quelque sorte un cas à part. Car, et c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il y a un consensus consistant à affirmer que ces filles, puisqu'elles ont des chromosomes XX, des organes reproductifs féminins, et une possible fertilité, sont des filles, point final. Et c'est plus spécifiquement donc sur la généalogie de ces évidences-là que je souhaitais revenir dans cette thèse. Autre aspect intéressant, le cas de l'HCS est à la fois emblématique et exceptionnel. Étant donné qu'il engendre des enjeux de santé indiscutables, il met en difficulté l'hypothèse consistant à dire que leur prise en charge médicale relèverait uniquement du social, du normatif. Mais en même temps, même en examinant ce cas exceptionnel, il s'avère que leur médicalisation est toujours intimement liée à une volonté de normalisation de leurs caractéristiques sexuelles. C'est que, comme nous rappelle depuis longtemps Christine Delphi, le genre précède le sexe. Plus encore, c'est dans ce cas-là que les évidences s'imposent avec le plus de force, avec une assignation systématique au sexe féminin, une hormonothérapie à vie et des chirurgies très précoces dans les premiers mois de vie pour réduire le clitoris ou créer un vagin. Et ce, justement, pour renforcer l'évidence qu'il s'agirait de vraies filles, tout en ignorant donc le caractère construit de ces attributs féminins et malgré les problèmes aussi qu'on peut mentionner d'équilibre métabolique souvent fragile de ces nourrissons soumis à ces opérations sans leur consentement. Donc ces thèses rencontrent d'un travail de recherche ayant impliqué en parallèle un travail d'archives sur la littérature médicale depuis plus d'une soixantaine d'années et un terrain contemporain auprès de médecins notamment, mais aussi des parents et des psy. Cette approche méthodologique m'a permis de tracer d'une part ce que j'appelle une archéogénéalogie des discours et des pratiques et d'autre part d'analyser les pratiques actuelles dans plusieurs centres, grands centres hospitaliers.
Et la première partie, donc ça a été rappelé, mais je le rappelle rapidement, elle est organisée de façon chronologique et revient sur l'histoire de ce mutation profonde qui a été initiée dans les années 50 aux États-Unis avec le protocole Johns Hopkins avant d'être approprié par les médecins français. J'y ai tâché donc de décrire dans cette partie l'émergence de ce nouveau paradigme qui vient imposer de nouvelles évidences sur le sexe et l'intersexuation. Concrètement, il s'agissait de mettre en lumière le passage dans la clinique du sexe atypique de l'attente à l'action et l'avènement donc d'une nouvelle temporalité centrée sur la petite enfance. Je me suis intéressée particulièrement à la façon dont le nouveau paradigme, contenant des innovations pharmaceutiques, cliniques et théoriques, circule et se déploie en France pendant deux décennies, grosso modo jusqu'au début des années 70, et au rôle des réinterprétations locales qui le transforment, en partie en raison de la place de la psychanalyse en France. Dans ce cadre, j'ai décrit donc une double attitude française à l'égard du nouveau concept de genre inventé dans le cadre de ce paradigme et de ses retombées dans la pratique médicale. J'ai montré que la médicalisation précoce instaure progressivement un style de pensée et d'action biomédicale tourné autour d'un diagnostic génétique en lien avec le processus plus général dans nos sociétés de molécularisation de la médecine. Les explications médicales sont désormais fondées donc, sur des examens biologiques standardisés, construits non pas tant sur l'observation des corps, mais sur leurs réactions biochimiques. À partir donc, des années 70, on observe une stabilisation de ce paradigme qui, tout en se transformant constamment, conserve sa prééminence. Les évidences qu'il met en avant sont encore largement partagées dans le milieu médical français, pris par l'idée donc d'une urgence, qu'elle soit juridique, médicale ou sociale, de l'intersexuation. En outre, j'ai souligné un changement dans les méthodes d'assignation de sexe. Donc on passait du vrai sexe, du paradigme du vrai sexe, au vrai diagnostic, en insistant là encore sur le rôle de nouvelles sous-disciplines que sont la génétique, l'endocrinologie pédiatrique notamment. Dans la deuxième partie, j'ai choisi non pas de poursuivre donc l'histoire de façon chronologique, mais de privilégier deux champs de savoir autour de l'HCS, afin de montrer de quelle manière les évidences donc persistent. En revenant sur l'histoire donc du dispositif prénatal de l'HCS, j'ai montré comment celui-ci mettait en place des processus d'effacement ou de normalisation de plus en plus précoces des corps ayant un sexe dit atypique. Ce dispositif contribuait ainsi à l'objectif de ne faire naître que des filles considérées comme normales en essayant d'évacuer les savoirs inconfortables, comme disait Steven Reiner, qui viendraient la remettre en question. Par exemple, j'ai montré comment les médecins français continuent à prescrire une hormone, la dexaméthasone, pour des femmes enceintes à risque pour freiner la virilisation, comme ils disent, des organes génitaux externes du fœtus, alors que cette hormone aurait des effets indésirables encore inconnus. Un des constats donc inéluctables, c'est aussi de façon générale l'invisibilisation des personnes intersexes et de leurs paroles. La production et le maintien aussi des zones d'ignorance sur la question se révèlent entre autres au niveau de l'évaluation à long terme de ces personnes prises en charge pendant leur enfance. Et in fine, on peut dire que les études de suivi, peu nombreuses et menées de façon exclusivement par des médecins et psychologues hospitaliers, ne permettent pas de prouver le bien fondé des interventions précoces, comme ils le prétendent. Les outils et les méthodes d'évaluation se transforment constamment, mais les savoirs qui permettent de produire restent encore incertains et méthodologiquement et épistémologiquement critiquables. Néanmoins, les médecins procèdent à un discours de minimisation des incertitudes et contribuent ainsi à maintenir les évidences fondées en grande partie sur des normes de genre. Tout se passe comme si, à mesure que les incertitudes gagnent les savoirs, les pratiques, elles, se durcissent, s'arrimant à des justifications relevant du domaine de l'évidence. Le maintien de ces évidences et du paradigme d'intervention précoce n'est possible que parce que les rapports entre la médecine et l'intersexuation s'effectuent dans un cadre de monopole médical, excluant d'autres discours sur le sexe, le genre et le corps.
Et je terminerai en citant Abel, connu Herculine Barbin, qui a écrit au milieu du 19e siècle, justement, que vis-à-vis, je cite, donc vis-à-vis d'une malade, un médecin jouit de certains privilèges que personne ne songe à contester. Merci encore pour ce prix, et puis je tiens aussi à souligner le plaisir que c'est, après un exercice d'écriture aussi long et solitaire, que de voir son travail lu et discuté par d'autres, ça fait vraiment plaisir, donc merci beaucoup.